Les difficultés économiques doublées des sanctions américaines n'ont nullement freiné la détermination de Cuba de répondre à la forte demande des consommateurs dans ce pays communiste où l'économie de marché cherche encore ses marques. Les autorités ont favorisé l'essor de nouveaux magasins qui offrent des articles de choix autrefois difficiles à trouver. Nous attendions depuis longtemps un supermarché comme celui-ci. C'est un très bon supermarché. Les longues files d'attente et les magasins remplis témoignent du succès d'une telle initiative, mais certains redoutent la rupture des stocks. C'est une bonne option, mais le réapprovisionnement pourrait être un problème, car si les consommateurs achètent, il faut réapprovisionner, et si vous ne pouvez pas le faire, cela deviendra insuffisant. Une fois de plus, l'option est bonne, mais nous devons voir pendant combien de temps les stocks dureront. De nouveaux appareils électroniques en provenance de Corée et des Émirats arabes unis inondent déjà l'île de consommateurs pressés d'acheter.